On parle de deux sens du courant électrique. Lorsque les scientifiques ne savaient pas encore que l'électricité est constituée d'électrons, ils fixèrent le sens du courant de plus vers moins. Ce sens est appelé sens technique. Mais il faut bien savoir que le sens réel est de moins vers plus. Dès que nous fermons le circuit électrique, le courant passe et ça se voit parce que l'ampoule brille. Nous savons bien que l'électricité est constituée d'électrons qui se déplacent du pôle moins vers le pôle plus. Les physiciens ont fixé un autre sens du courant qui va du pôle plus vers le pôle moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens technique du courant. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de ce sens technique, mais lorsqu'on verra l'électromagnétisme, on se rendra compte qu'il est, pour des raisons pratiques, important de travailler avec ce sens technique. Retenons donc qu'il y a deux sens du courant électrique, le sens réel du courant qui va du pôle moins vers le pôle plus, ce qui correspond bien au déplacement des électrons, et ensuite il y a le sens technique qui va du pôle plus vers le pôle moins.